Dernièrement, 24 élèves de seconde ELEC du lycée Julie Daubier sont venus envahir la médiathèque de Romba pour un projet pédagogique et culturel particulier. Un projet axé autour de la lecture et plus particulièrement autour de la bande dessinée, sans oublier bien sûr d'évoquer l'intérêt d'un endroit comme celui-ci dans une ville. Lors de cette première séance, ces ados âgés de 15 à 16 ans ont donc visité la médiathèque. Accompagnés par Geneviève Tondon, Christine Kirchvivier, toutes deux documentalistes au lycée professionnel, et de Alexia Tillière, professeure de français, les jeunes ont pu découvrir ce lieu, les différentes salles qu'il renferme, ainsi que le nombre inimaginable de savoirs et de connaissances. Mais ces jeunes ne l'ont pas vu de cet œil-là et n'ont pas forcément joué le jeu. Distrait, bavard et bruyant, la visite avec Jean-Marie Bild, directeur de la médiathèque, a été quelque peu chaotique. Chaque jeune a tout de même choisi une bande dessinée sur laquelle il devra travailler, une activité qui consistera par la suite à la lire, puis à présenter le héros de celle-ci, tout en complétant une fiche de présentation sur ce personnage. Ce travail va leur permettre de s'ouvrir sur l'environnement culturel avec un support simple et illustré. Enfin, pour clôturer ce projet, les jeunes devront réaliser une exposition qui présentera leur héros et mettra en avant leur impression personnelle sur l'ensemble de la bande dessinée, mais aussi sur le personnage principal de leur livre. Un travail intéressant à deux objectifs bien distincts, inciter les jeunes à la lecture et découvrir la médiathèque de Romba, qui pourrait devenir dans quelques temps un endroit apprécié par ses lycéens. Qui sait ?